Yo les gars, c'est Nabets, j'espère que vous allez bien, vous savez nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très particulière car aujourd'hui, on va réagir. On va regarder le nouveau teaser trailer d'un tout nouveau jeu que SteamWorld Studio nous apporte. C'est d'ailleurs aussi du coup le jeu pour le sixième jour de l'anniversaire, de l'événement d'anniversaire, pardon, de Five Nights at Freddy's. Les gars, c'est parti. Aujourd'hui, à l'heure où la vidéo sort, dès aujourd'hui, la démo de Five Nights at Freddy's devrait être disponible aux alentours de 15h apparemment. Donc bon, on verra, hein, c'est pas sûr encore. Mais voilà, on verra, et puis de toute façon, on la testera dès demain. Donc les gars, du coup, on va réagir justement à à ce fameux teaser pour un tout nouveau jeu, du coup, de SteamWorld. Les gars, c'est parti. Oh putain. L'atmosphère de jeu très pesante, déjà. Oh! Puppets? Carnaval? Les gars, c'est Carnaval. Oh putain. Oh. Oh. Oh les mecs. Secret of the Mimic. 2025. Oh la dinguerie. Putain, mais attendez, mais... J'y comprends rien là déjà. Là, d'entrée de jeu, je comprends rien. On entend bien Puppet. C'est la musique de Puppet, ça. Mais genre remixé. Oh la dinguerie, putain. C'est quoi ce truc? Un Puppet Carnaval? Un nouvel animatronique? Je sais pas, mais c'est Secret of the Mimic. Secret of the Mimic. Incroyable. Incroyable. Bah, les gars, dites-moi en commentaire, dites-moi si pour vous c'est Puppet? Où c'est le mimique du coup? Non, parce que là, je vous rappelle que du coup, le jeu s'appelle Secret of the Mimic. Hein, on le voit bien là. Mais là, je veux dire, ok, le jeu s'appelle Secret of the Mimic, mais là, la musique, c'est la boîte à musique de Puppet. C'est la musique de Puppet. C'est ça que je trouve chelou. C'est chelou de ouf. En tout cas, c'est extrêmement stylé. Hein. On aura donc une version clown de Carnaval, donc de Puppet. C'est une scène. C'est une scène. Si ça se trouve depuis le début, en fait, Puppet, c'est le mimique. Pas vrai. Alors pour ceux qui savent pas, en fait, ce serait donc pour ceux qui seraient pas encore au courant, il y a longtemps de cela, en fait, SteamWorld, ils avaient leak une image. Alors ça date tellement longtemps, je sais même pas si je pourrais vous la retrouver. Dogo avait fait une vidéo dessus, mais non, je sais pas. Je sais pas du tout, à voir au montage si je pourrais la retrouver. Mais voilà, c'est ça, Carnaval. Oh putain, trop bien. Enfin, je pense, franchement, je pense que c'est ça, Carnaval, ce fameux jeu. Ce fameux jeu du coup qui nous avait teasé depuis un long moment. Parce qu'en fait voilà, c'était une image qui avait donc annoncé un nouveau jeu FNAF. Et le décor était genre, si je dis pas de conneries, il devait y avoir un chapiteau au loin. Il y avait Freddy, on voyait bien Freddy, tu sais, tout le profil. Et le décor, voilà, c'était des chapiteaux. Et puis voilà, dans le style du carnaval quoi, littéralement. Donc ouais, là on est littéralement dans l'ambiance du carnaval avec cette boîte à musique, cette moquette qui rappelle le... C'est quoi, c'est pas dans Shining? Si, le gosse avec la bicyclette, si, je crois bien. Je crois bien. Ça me fait vraiment penser à ça. Je regarde encore une fois, mais... Putain, puis il fait un de ces bruits. Attendez. Attendez, ça se trouve, là, dans la VHS, ce truc-là, ça se trouve, il y a un truc. Oh! Il y a une date. Il y a une date. Attendez, si je dis pas de bêtises... Attendez, je sais comment faire. Oh merde, attends. Oh les mecs! Oh putain! C'est un préquel! Waouh! Ah ouais, d'accord. En fait, le jeu, c'est un préquel. Mais non! Putain! En fait, les gars, le jeu va se dérouler en 1979, du coup, soit 4 ans avant l'histoire. Oh là 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 là, la dinguerie. Donc, la morsure de 83 de Fredbear. Waouh! C'est une dinguerie. Donc là, le jeu sera un préquel de toute la franchise. En fait, vraiment, voilà. Le jeu là, Secret of the Mimic, c'est des. Ce. Se déroulera avant toute la franchise, toute. Donc techniquement, Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic se déroulera avant FNAF 1 et tous les jeux de la série complète. Et devrait, je dis bien devrait, je pense se dérouler dans un carnaval et remettre en gros toute l'histoire du restaurant Fredbear and Friends. Je pense, je pense. Tout simplement, non, parce que ce qu'on voit là dans la boîte de musique, c'est pas bête, c'est pas Mimic. C'est pas Mimic, c'est pas possible. En tout cas, c'est pas Mimic comme on le connaît, tu vois. Ou en tout cas, pas pour le moment.
Tu vois, parce que je me dis que. Parce que le Mimic, il fait son apparition dans Ruine. Ce qui se passe largement plus tard que les jeux FNAF et donc du coup celui-ci. Donc je me dis si par hasard, en fait, peut-être serait une version réinventée, détruite, cassée, tu sais, de Puppets, je sais pas. Vous allez me prendre pour un ouf dans les commentaires. Vous pouvez, vous avez le droit, dites-moi en commentaire si je suis un ouf. Mais voilà, je pense que c'est vraiment l'hypothèse qui se rapproche le plus de ce qui risque réellement de se passer, quoi. Voilà, pour moi, les gars, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rater que de prochaines vidéos. Parce que franchement, voilà, ce serait vraiment ballot de rater la suite, les gars. Sachant que là, ce qui arrive dans les 2-3 prochains jours, c'est insane. Ça va être un truc de ouf. Sachant que. À savoir, du coup, on a Five Nights at Freddy's qui sort aujourd'hui. Ça se trouve même déjà sorti, hein, au final. Je sais pas du tout. La vidéo devrait sortir le matin et ça, je l'espère. Et en tout cas, franchement, j'espère que la vidéo sur Five Nights at Freddy's sortira dès demain matin. Et l'après-midi, alors l'après-midi, je vous ai gâté. Hein. L'après-midi, on est en live pour fêter du coup l'anniversaire de Five Nights at Freddy's 1 sur le jeu. On fera aussi un tour du coup aux jeux qui seront sortis du coup durant l'événement, et l'après-midi, une heure après la fin du live, à 19h, je vous fais une grosse annonce sur la chaîne. Ça va être une folie, vous êtes même pas prêts, vous êtes même pas prêts, ça va être une folie. Et le lendemain, donc le 9 août, nous testerons, découvrirons même dirais-je, Five Nights at Freddy's Into the Pit, le jeu complet, bon, on le fera pas en entier sur la chaîne, ah, voilà, on fera plusieurs vidéos, je pense, mais voilà, dans tous les cas, ça va être une dinguerie. Allez, sur ce, l'équipe, c'était Nabetz, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, ciao l'équipe. We'll be right back.